Alors, est-ce que ça marche mieux? Est-ce que ça fonctionne mieux? Est-ce qu'il y a des gens... Alors, je sais, j'ai jamais fait de live comme ça sur YouTube, tube. 7 visionnages en cours. Vous êtes 7 visionnages en cours. Et, alors, je pense que vous pouvez commenter s'il y a quelqu'un qui peut me dire si ça marche. Ce serait cool que ça marche. Voilà. Parce que ça me permettrait de savoir si ça marche ou si ça marche pas. Par exemple. Voilà. Salut, donc je redis salut, bande de geeks lumineux, c'est toujours Emmanuel Pampuri qui essaye de vous parler en direct live sur YouTube, mais qui galère un peu parce que j'ai une connexion de merde, une connexion assez pourrie, c'est-à-dire que je suis à 2 km du centre-ville de Montpellier et dans une petite ville qui s'appelle Castelnau, le Lez, petite charmante bourgade qui est fibrée partout sauf chez moi en fait. Voilà. C'est-à-dire que la fibre est à 50 mètres de chez moi, elle s'arrête au numéro 7. Je suis au numéro 2. Voilà. Ça sera peut-être mieux ici, me dit-on. Ça coupe toujours. Ah merde. Qu'est-ce que je fais? J'arrête ou j'arrête pas? C'est ça la question. C'est ça la question. Je vais continuer et puis tant pis, je vais dire ce que j'ai à dire déjà. Et puis vous aurez ça en replay, je pense. Alors, Raymond me dit que c'est mieux. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est un tout petit peu mieux? Oui, j'ai une mauvaise connexion, je confirme. Je confirme que j'ai une mauvaise connexion. Je suis conscient du fait que j'ai une mauvaise connexion. C'est une très très mauvaise connexion. Je ne vais pas du tout faire ce que j'avais prévu de faire au niveau du... Alors, je vais essayer un truc, tiens. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de mettre... Je vais mettre mon téléphone au bout d'un mât. Voilà, hop là. Alors, je sais pas ce que ça donne. Est-ce que ça donne quelque chose ou pas? Je vous raconte pas l'installation que je viens de faire. Donc je ne peux plus toucher. Je ne peux plus toucher du tout à. Je regarde là-haut parce qu'en fait la caméra elle est là-haut. Allez, je vais vous montrer. Regardez. La caméra, elle est là. Non, non, l'iPhone qui émet, il est au bout d'un pied lumière. Voilà. J'ai l'air malin, j'ai l'air malin. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Donc, mitigé, les gens me disent mitigé. Mitigé de quoi? La qualité de la vidéo? Ouais, c'est pas grave. On va rester comme ça parce que ça enregistre quand même. Et vu que ça enregistre quand même, eh ben, je vais continuer à dire et à faire ce que j'ai à faire. Donc, je suis dans la jungle. Je suis dans la jungle au milieu de nulle part et je suis ici pour vous parler de cette chose-là. Donc, cette chose-là, c'est quoi? Ah, il y a quelqu'un qui regarde en Guadeloupe et qui dit que ça marche. Oh, c'est super si ça marche en Guadeloupe. Content, je suis content. Ah, non, ça va pas. Voilà, là ça va mieux. Donc, je suis ici pour vous parler de ça. Donc, c'est la Blackmagic Cinema Pocket Camera. Alors déjà, bon, ceux qui me suivent le savent, elle n'est pas du tout pocket cette caméra. Elle est tout au plus sac à main, voire sac à dos. Mais en tous les cas, ça a l'air de vouloir. Ils ont fait un effort. Ils avancent. Ils avancent chez Blackmagic. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été bêta-testeur de la première, la Blackmagic Cinema Camera, qui est sortie, je crois que c'était en 2000. Je ne sais plus. C'était au moins. Il y a au moins 5 ans, je pense. Je l'ai eu pendant plus de 9 mois en test avant qu'elle sorte dans le commerce et voilà, au début, c'était les débuts. Il se trouve que le form factor de cette caméra ressemble étrangement à ses premières caméras, la 2,5K comme on l'appelle, et après la 4K. Ce qui n'est pas forcément un form factor qui est désagréable, mais qui est un peu surprenant. Alors tout le monde se dit, ouais, c'est super, il y a un écran de 5 pouces et tout, c'est cool. J'ai trouvé ça plutôt pas mal aussi sur le principe. Mais, bah d'une part, c'est un écran qui est
pas hyper lumineux quand on voit ce que fait notamment Atomos avec les écrans hyper, hyper bright, ou chez Small HD ou les autres constructeurs qui font des écrans qui envoient la purée. Là, je l'ai essayé en plein soleil, même dès qu'il y a un peu de soleil, ça devient très très compliqué. Voilà, donc pour repositionner le débat, en fait, c'est une caméra qui est intéressante. Il faut garder en tête qu'elle vaut 1300 balles. Et je suis loin d'être là pour... Enfin, je ne suis pas là pour tirer des conclusions, en fait. Je suis là pour vous dire ce que j'en pense, pour vous transmettre mon premier ressenti. Voilà, je l'ai récupéré avant-hier. J'ai d'autres choses à faire en ce moment, donc je n'ai pas eu le temps de vraiment la tester à fond. J'ai juste mis un objectif, chargé la batterie et j'ai été voir ce que ça donnait. Donc j'ai parlé essentiellement de ressenti et pas de choses totalement objectives. Je ne sais pas si du reste c'est un grand débat philosophique. Peut-on être totalement objectif quand on parle de ce genre de choses ou quand on parle de quoi que ce soit d'autre du reste dans la vie en général? Je ne sais pas. C'est un immense débat. Voilà. À Montpellier, ça marche bien aussi. Ça, c'est cool. N'hésitez pas. Alors, j'arrive à voir vos réactions, vos commentaires. Ça a l'air de vouloir marcher. J'espère que mon système va... c'est vraiment un système, là, c'est 100% MacGyver, quoi. Oui, je regarde en l'air, ça fait bizarre, mais c'est parce que je regarde, en fait, mon moniteur de contrôle, il est là-haut. Il est au bout d'un pied Avenger de chez Manfrotto, que vous connaissez certainement. Donc, je reprends un petit peu le fil de la conversation. Pour vous donner un petit peu mon premier ressenti, j'étais inquiet parce que ici, je ne sais pas si on voit bien, mais sur les premiers prototypes, en fait, le pas de vis, là, il était fixé sur le corps de la caméra qui est en plastique. Et c'est un plastique qui fait, malheureusement, je suis désolé, je vais pas être très, très agréable, mais c'est un plastique qui, moi, me fait un petit peu peur. J'ai vraiment peur de la durée de vie de ce genre d'outil. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit costaud. Le premier feeling comme ça quand on a l'objet en main, il est pas bon. Le grip est pas mal, mais il pourrait être mieux. La positionnement des boutons, de la molette avant, tout ça, c'est chelou. C'est pas agréable. Et surtout, ça fait vraiment toc. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, la vis du dessous, là, pour mettre ça sur une plaque ou sur un pied ou aller greffer des accessoires en dessous, ils ont mis une contreplaque en métal, ce qui fait que ça sera un tout petit peu plus costaud. Voilà. C'est pas mal foutu au niveau ergonomie. J'ai un gros reproche, c'est le feeling aussi sur le bouton de déclenchement ici. Qui est absolument pas terrible. Voilà. J'aime bien l'idée parce que aussi j'ai l'habitude des caméras hybrides photo-vidéo et que pour moi on est plus proche dans l'ergonomie en tous les cas d'un appareil photo que d'une caméra. Et donc du coup ce déclencheur il a un côté on-off qui est bizarre. Je me suis fait avoir déjà, je l'ai utilisé, allez, en tout et pour tout j'ai dû tourner avec une heure. Je me suis fait avoir 40 fois de croire que j'ai déclenché alors que je n'ai pas déclenché. Il n'y a pas le deuxième crantage, vous savez, sur un appareil photo hybride, que ce soit un Sony, un Pana ou n'importe quoi. Il y a toujours un espèce de première pression et avec une petite résistance. Et après, on appuie à fond pour vraiment déclencher. On parle de déclenchement à mi-course qui, en général, déclenche l'autofocus. Là, il y a un autofocus, mais il se déclenche par un bouton qui est à l'arrière, qui n'est pas très très bien positionné. Les boutons sont trop petits, il n'y a pas assez de relief, il n'y a pas de différenciation dans le relief pour y aller de façon intuitive. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a les deux boutons, un pour le diaphoto, un pour l'autofocus, se ressemblent vraiment étrangement. La molette, c'est-à-dire que moi, je prends la caméra comme ça. Et du coup... Ici, le débattement entre... Je parle beaucoup d'ergonomie parce que c'est important pour moi. Le débattement entre l'index qui va aller ici sur le déclencheur ou sur la molette avant, je ne sais pas, il y a un truc qui ne me plaît pas. Voilà. L'accès, les trois boutons d'accès direct aux ISO, le shutter et la white balance, c'est plutôt cool. Là, il y a un déclencheur
J'ai pas encore appuyé sur ce bouton, j'avais pas vu, je pense que c'est un déclencheur photo. Je vais allumer la bestiole pour voir. Tiens, je vais regarder directement comment ça marche. À quoi ça sert ça? Ouais, je sais pas. Je vais regarder. Alors, non, je sais pas ce que c'est. Si ça se trouve, oui, il y a un appareil photo, donc si ça se trouve, ça c'est fait pour déclencher. Les raccourcis, alors les fonctions ici parlent sur le dessus. Ici, vous avez plusieurs trucs. Vous avez le premier bouton qui vous donne le Fails Color. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez utilisable, assez pratique. J'ai un peu l'impression que les outils de mesure sont calibrés n'importe comment. J'ai mis un Zebra à 95 pour voir ce que c'était. À 95, c'est déjà cramé, explosé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout dans le signal. Donc, mettez le Zebra plutôt à 70, niveau vidéo classique, pour avoir un truc assez sympa. Le deuxième bouton de fonction ici, c'est pour activer ou désactiver la lutte. C'est plutôt pratique. Voilà. Pour ceux qui aiment travailler comme ça. Et le troisième bouton, c'est pour mettre éventuellement des barres. Voilà, pour voir un petit peu comment on cadre. Alors, il y a un bouton high frame rate, il y a une magnification qui, je trouve, est x3. C'est assez moyen. Je trouve que ça manque un petit peu de précision pour pouvoir aller faire le point. Voilà, j'ai la vue qui baisse aussi, donc ce sera peut-être plus cool pour d'autres. Ensuite, le bouton qui est ici, alors la magnification marche pendant que ça enregistre, ça, il n'y a pas de souci. Le bouton qui est ici, c'est pour appeler les menus. Bon, menu classique à la Blackmagic, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt clair. Je reproche juste un tout petit truc, c'est quand on va aller travailler, par exemple, tout ce qui touche aux métadonnées. Ils ont fait un clavier qui est tout petit, tout riquiqui, et j'arrive pas à comprendre parce qu'il y a vraiment la place pour faire un truc qui soit un peu plus pratique. Et des fois, enfin voilà, avec mes gros doigts, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre sur cette caméra? Oui, c'est le modèle final, c'est le modèle qui est commercialisé que j'ai, Phileas. C'est pas, il commence à arriver au compte-gouttes, en sachant que pour Blackmagic, comme beaucoup d'autres constructeurs, mondiaux, la France c'est un peu est considéré comme un pays du tiers-monde. Ils ont oublié qu'on était le quatrième plus gros producteur de cinéma au monde, après la Chine, l'Inde et les États-Unis, et que c'est pas du tout les États-Unis les premiers du reste. Donc voilà, mais bon, ça c'est cette petite anecdote. Voilà, le deuxième bouton REC en façade, moi là il me sert pas à grand-chose. J'aurais aimé qu'il y ait des boutons accès direct ici à l'intérieur de la poignée. J'aurais trouvé ça plutôt malin. Que vous dire d'autre? Je vais enlever la sangle. Ça sera plus pratique. Ici, sur le côté, vous avez donc la trappe qui va vous permettre d'aller mettre une carte SD et une carte CFast. Alors, j'ai que de la SD. J'ai testé, alors pour l'instant, le Blackmagic RAW n'est pas encore accessible. J'ai pas réussi en tous les cas, la caméra, quand je la branche sur l'ordinateur pour mettre la bêta, ça ne fonctionne pas. Donc, elle est pour l'instant, si j'ai bien compris, réservée à l'URSA Mini. Voilà. Et de l'autre côté, donc, on a des connecteurs en caoutchouc avec tout un tas de trucs. On a une prise micro, une prise casque, un port HDMI. Une prise 12 volts, un mini XLR et une prise USB. USB qui recharge la batterie. Ça, c'est un truc qui est, à mon avis, qui est plutôt une bonne idée. Je continue à faire le tour. Je préfère continuer comme ça. Et ici, donc, il y a la trappe pour la batterie. Donc, c'est des batteries type Canon LPE6. Hein. Donc là, Blackmagic a misé sur une batterie générique de chez Générique. Hein. Il n'y a pas de petites économies. Autant vous dire que j'ai un peu l'impression que si c'est mieux que la batterie Nikon qui devait tourner, durer 7 minutes sur la première génération de la Pocket, ça a l'air d'être un peu mieux. Mais je vous conseille quand même de mettre des vraies batteries. Si vous avez du Canon, c'est bien. Si vous avez du générique, faites attention à ce que ce soit des batteries de qualité. Alors, dans l'utilisation de la caméra, parce que là j'ai fait un petit tour.
Donc ouais, Phileas, je t'ai répondu. En effet, j'ai pas encore testé l'enregistrement en USB-C. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai fait pour l'instant du RAW ancienne Cinema DNG en 4K DCI, donc en 4096 par 2160. En ProRes HQ, ça tient très bien. J'ai une carte SanDisk qui a un an, donc je sais même plus. C'est la SDX C2 classe 10, 300 mégabits. Qui donc elle supporte très bien à la fois le RAW DNG en 3 pour 1 et à la fois le ProRes HQ. J'ai fait jusqu'à du 60p en 4K. Voilà. Alors, au niveau de l'utilisation, le truc c'est quand on a une caméra qui a ce form factor là, on a un peu envie de la soutenir un petit peu comme ça, un tout petit peu en dessous des yeux et pas forcément de la voir comme ça. Parce que sinon, bah, c'est compliqué et puis c'est pas très, enfin, c'est pas pratique, c'est pas agréable, c'est pas agréable. Donc du coup, quand on est comme ça, bah, l'écran il s'oriente pas. Donc le fait qu'il n'y ait pas du tout d'orientation sur l'écran me gêne. Même un truc, voilà, j'aurais rêvé d'un vrai truc orientable comme il y a sur les GH par exemple, parce que pour moi c'est le bon modèle de ce côté-là. Là, le fait voilà, ça aurait été pas mal qu'il y ait au moins un tilt vertical. Voilà. Moi, il me manque clairement un viseur, donc je vais voir si je peux brancher un viseur sur ce joujou pour voir, parce que je préfère travailler au viseur. Et le fait de ne pas avoir un écran orientable va vraiment, vraiment, vraiment m'handicaper. Je pense que c'est important d'avoir un feeling et d'avoir la sensation d'utiliser un outil agréable. Le reproche que je vais faire à cette caméra, je vais essayer de développer après, c'est que pour l'instant, en fait, on est vraiment sur, comment dire, sur un produit sur lequel, pour moi, Blackmagic a misé essentiellement sur qu'est-ce qu'on peut faire avec et pas du tout sur le comment on peut l'utiliser. Voilà. Je pense que l'ergonomie, il y a encore autant sur l'Ursa Mini, ils ont vraiment fait un bond en avant qui est assez phénoménal. Autant là-dessus, ça se cherche encore. C'est dommage, je trouve, de pas avoir été plus dans la réflexion sur l'ergonomie, sur le ressenti qu'on peut avoir, sur le choix des matières, sur tout ça. Alors, j'ai pas, je vais dire un truc qui est un peu, je mets des gros bémols parce que c'est pas le fruit d'une utilisation intensive ni quoi que ce soit. Il y a le ventilo. Il y a un petit ventilo en dessous ici, il fait beaucoup de bruit, je trouve, et il y a un dégagement de chaleur qui est assez inquiétant. Après, ça tient, j'ai pas eu de problème pour l'instant, je l'ai pas utilisé de façon intensive, mais c'est quelque chose qui est, je trouve, pas hyper rassurant. Voilà. Après, vous allez tous me poser la question. Le viseur aussi me manque sur le dessus. Daniel, tu as déjà reçu la tienne aussi? Ou c'est Daniel, tu dis ça dans l'absolu ou tu as déjà joué avec? Je sais plus ce que je disais. Oui, donc dégagement de chaleur, un peu chelou. J'espère que il va pas y avoir de problème lié à tout ça. Je trouve ça pas super rassurant, mais en tous les cas, c'est voilà. Donc la qualité d'image. Alors, j'ai pas fait d'énormes tests pour l'instant. Je vais vous montrer des images assez vite en début de semaine. Je vais tourner quelque chose, je pense. J'essaierai de monter assez vite. Là, j'ai juste fait des images et en RAW. Donc, je rappelle que j'ai pas le ProRes RAW, que c'est pas encore implémenté dans cette caméra. J'ai fait des tests donc en Cinema DNG en 3 pour 1 et en ProRes. Il y a un truc très chelou dans. Je pense que c'est une caméra qui est assez sensible et qu'on va pouvoir aller jouer un petit peu dans les hautes sensibilités, donc en basse lumière, je pense que on devrait pas mal s'en sortir, parce que par contre j'ai l'impression qu'en haute lumière elle clippe très vite, c'est-à-dire qu'il y a le haut de la courbe, en fait il y a un moment où paf, ça coupe direct au bout d'un certain niveau, c'est même plus la peine d'y aller, il n'y a plus rien. J'ai essayé donc d'utiliser l'histogramme qui est inclus dans la caméra. J'ai l'impression que c'est assez piégeux et qu'il va falloir vraiment soigner son exposition, comme l'a déjà dit l'ami Mathieu Misiraca. Je vous conseille du reste d'aller voir sa chaîne parce que voilà, c'est un mec très très cool qui fait des chouettes vidéos et avec qui j'ai eu la chance de travailler. Je suis flou en fait, c'est ça?
c'est net derrière. Est-ce que c'est mieux ou pas? Non, c'est pas mieux. C'est pas grave, on s'en fout. Allez. Ouais, Mathieu, on a déjà parlé. Il a déjà trituré un peu les images qui étaient disponibles en téléchargement. Il les avait trouvées mal exposées. Je confirme que c'était très mal exposé. Et ce que j'ai vu moi aussi, c'est que j'ai l'impression que ça pardonne pas vraiment. Je sais même pas si les 13 stops de dynamique sont vraiment là. Je ferai pas de test, j'ai pas que ça à faire de faire un key light là-dessus pour voir si vraiment il y a la dynamique ou pas. Voilà, je trouve que pour l'instant j'ai testé un petit peu. Les peaux ont pas l'air dégueulasses si elles sont bien exposées. La dynamique sur le haut de la courbe, je vous dis ça a tendance à clipper très très vite, c'est pas hyper rassurant. Je pense que c'est une caméra qui va nécessiter des très bonnes optiques. Oh, il y a un écureuil qui est en train de. Bah comme d'hab, quand je fais un live, voilà, il y a un petit écureuil qui passe. C'est l'avantage d'habiter sous les arbres. Voilà. C'est la femelle. Elle s'appelle Louison. Je vais baptiser Louison. Voilà. Et vous dire quoi d'autre après? Ouais, les optiques. Là, pour l'instant, j'ai utilisé avec un mini prime de Vedra, donc en micro 4 tiers, qui reste pour moi un des meilleurs choix qui puissent être faits pour du micro 4 tiers, à savoir qu'on peut l'utiliser aussi sur de l'APS-C en monture Sony E et en monture Fuji X et ainsi de suite. Je vais tester aussi, je vais m'amuser un petit peu avec les Leica et avec mes optiques vintage pour voir ce que ça a dans le ventre. Voilà, donc la qualité du signal, la qualité de l'image semble vraiment intéressante. C'est un petit peu mon retour global, mon feeling global. La qualité, voilà, elle est très chouette, mais l'ergonomie, moi, commence déjà à peine au bout de quelques heures d'utilisation, ça me gonfle déjà. Voilà, je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas été réfléchir à un form factor qui soit plus agréable à utiliser. Avec un capteur micro 4 tiers, je ne comprends pas le fait qu'ils aient fait un aussi gros boîtier. Et voilà, c'est la philosophie globale de cet objet, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, à qui c'est destiné. Ouais, ça va faire du RAW pour 1000 et quelques balles en 4K, en 60p, ça c'est chouette, ça c'est chouette. Après, je sais pas, typiquement, j'aurais bien aimé, malheureusement, j'ai pas pu le tester. J'aurais bien aimé avoir le X-T3 par exemple de Fuji qui vaut à peu près le même prix, voilà, coûter 150 € de plus. On le trouve à 1450 € chez les bons revendeurs. Voilà, moi je sais que je suis attaché à l'aspect hybride. J'ai tendance à préférer des plus grosses caméras quand j'ai à tourner des trucs importants et à les louer parce que voilà, ça sert pas à grand-chose à mon avis d'avoir une grosse caméra à la maison. Et j'ai tendance pour les outils que je peux utiliser pour des plus petits projets où il n'y a pas forcément des gros budgets à privilégier des outils qui sont hybrides parce que ça correspond mieux à mon utilisation, parce que j'aime bien faire des photos aussi avec. Et jusqu'à preuve du contraire, ça c'est absolument pas conçu pour faire des photos avec. Donc voilà, mon feeling est pour l'instant assez mitigé. C'est pas vraiment un retour d'utilisation. J'en ferai un dans quelques jours. Je vais faire un vrai tournage avec pour vous dire un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Mais ouais, je suis un peu mitigé après ces quelques heures d'utilisation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Du coup, je les vois. Alors je vois qu'il y a des questions. Niveau ergonomie, tu penses que c'est potable pour une utilisation photo légère? Alors si tu parles, Phileas, déjà tu parles de photo. Pour moi, c'est pas un appareil photo. Hein. Quitte à mettre ce prix-là dans un truc qui fait pour faire de la photo, vaut mieux acheter un autre chose. voilà. J'ai répondu à ta question. Qui c'est qui m'a pas. Voilà. Phileas. En même temps, pour 1300 €, faut pas trop en demander non plus. Ben c'est là où je suis pas d'accord. Quand on dit qu'on fait une caméra 4K cinéma,
qu'elle porte ce nom-là. Déjà, il y a une usurpation sur le thème pocket parce qu'elle n'est plus du tout pocket. Je m'amuse beaucoup avec ça et je le dis depuis le mois d'avril, depuis la présentation au NIB. C'est pas une caméra de poche, c'est une caméra que tu vas même avoir du mal à mettre dans elle loge dans un sac à dos, mais elle loge pas dans une poche, quoi. Et après, pour 1 300 €, ok, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut dans la caméra. Il y a le savoir-faire, il est là en termes de fonctionnalité, en termes de qualité de ce qui sort. Pourquoi pas aller un tout petit peu plus loin au niveau de l'ergonomie et nous faire cette espèce de truc qui a un look chelou avec des matériaux qui sont pas agréables? Le caoutchouc là, il est caca quoi, il est burk. Moi, je suis désolé, mais un GH par exemple, je préfère. L'ergonomie pour moi c'est hyper important. Je préfère avoir une qualité d'image, un poil de cul en dessous et un outil avec lequel je vais kiffer de faire des images que d'avoir un espèce de truc là qui ressemble à rien, qui sonne creux. Je suis désolé, ça sonne creux quoi. C'est du plastoc de... Même les jouets de ma fille à l'époque, ils étaient. Je sais pas, je comprends pas. Si on compare à l'automobile, on n'est pas sur définition Audi, BM ou des choses comme ça. Hein. On est sur du Dacia là, les gars. Hein. Donc, ouais, en effet, 1 300 €. Moi, je trouve que ça excuse pas tout. Je trouve que c'est important. Je comprends pas qu'un constructeur puisse sortir un truc où il n'y a pas plus d'attention sur le feeling que l'utilisateur va avoir avec le produit. Surtout Blackmagic, par exemple, ils ont sorti. Ils savent faire ça. C'est-à-dire que si on transpose chez DaVinci, ils ont sorti les petits panels là qui valent une poignée de cerises. C'est d'une qualité et le feeling de l'utilisateur, il est génial. Les boules, elles ont juste l'inertie qu'il faut. Tous les boutons sont super bien pensés. Toutes les interfaces aussi, les switchers de chez Blackmagic façon ATEM, il n'y a pas du tout ce truc-là. La qualité. Elle est au top avec des prix hyper mesurés. Donc là, je comprends pas. Moi, je valide pas de ce côté-là. Ça chauffe toujours autant. Ouais, je l'ai dit un petit peu avant. Ça chauffe. Il y a un dégagement de chaleur sur les parties métalliques, c'est-à-dire ici. Donc là, il y a la sortie du ventilateur qui souffle de l'air chaud. Sur le dessus, ici, il y a un truc en métal aussi qui doit être. Sur le même système de refroidissement qui fait que ça dégage pas mal de chaleur. Je ne peux pas dire que ça chauffe, c'est chaud. En tous les cas, la caméra n'a pas l'air de souffrir du fait de cette chaleur. Mais voilà. Donc je vais vous montrer juste. Allez, je vous montre un plan que j'ai tourné tout à l'heure. Voilà. Ça sert à rien de faire ça parce que c'est une caméra qui filme une caméra. Voilà. Mais c'est l'image, elle est intéressante, elle est jolie, il y a une jolie matière. Si c'est correctement exposé, si c'est fait par quelqu'un qui sait faire, c'est intéressant. L'autofocus, je l'ai testé avec des optiques Panasonic, Lumix, Leica, machin. C'est fonctionnel, c'est pas hyper réactif, mais ça peut, quand on est tout seul. Et qu'on veut aller faire un. Il y a un système tap to focus, donc on touche sur l'écran, ça fait le focus à l'endroit où on veut, c'est de la détection de contraste, ça marche. Ça, c'est voilà. Les petits trucs dans les fonctionnalités, le picking par exemple, il est super top. Voilà. Et après, en effet, pour 1 300 €, est-ce qu'on peut demander la lune ou pas? Je sais pas. On pose la question par rapport au GH5. Richard, bah, je crois que je l'ai déjà dit dans ce que j'ai déjà exprimé. Moi je préfère l'ergonomie du GH5. Peut-être qu'on sera un peu moins bon en termes de qualité. Je pense que je vais m'amuser à faire ça. Je pense que je vais faire un test. La Pocket à fond les ballons, en RAW, en pleine qualité, au max du max, avec la même optique sur le GH5S, et faire un comparatif entre le 422 10 bits H.264 du GH5S. Et le codec, le cinéma DNG qui pèse 1 giga la minute là. Non, qu'est-ce que je dis? 10 giga la minute.
Voilà, au niveau expo quoi? Si tu pouvais mettre en téléchargement quelques rushs une fois que tu en auras tourné, salut Charlie Prod. Ça pourrait être très cool de se faire une idée. Ceux qui sont mis à disposition par Blackmagic sont assez moyens. Ouais, je pense qu'ils ont mis la caméra en mode auto. Voilà. C'est vrai qu'en termes d'ergonomie, ça n'a pas l'air ouf. Bah oui. Oui, ben j'avais prévu de faire ça. Je l'avais fait déjà sur le GH5, je l'avais fait sur d'autres caméras. À chaque fois, je mettrai des fichiers quelque part. Soit je vous mettrai un WeTransfer ou un FTP ou enfin, voilà, je ferai ça. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions, amis geeks lumineux? Non? Il y a des mouettes. Ou des corbeaux, je sais pas. Plutôt des corbeaux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette caméra? Ben voilà, je vais vous dire que je tourne lundi normalement avec. Donc je referai certainement une vidéo pour vous en dire un petit peu plus après quelques heures d'utilisation. Et on attend le combat GH5S Blackmagic. Ouais, je crois que je pense, je subodore que peut-être. J'ai aucune info et personne ne me confirme ça, mais pour moi, il y a de grandes chances que ce soit le même capteur. Il y a de grandes chances. Voilà. Je l'ai dit. Et je pense que. Enfin, moi, je switcherai pas. Moi, je switcherai pas. Si vous avez des GH5, GH5S et que vous avez des optiques en micro 4 tiers et que vous dites, tiens, je vais faire du RAW et tout. Faire du RAW pour moi, ça c'est intéressant à partir du moment où on a quand même la possibilité d'exploiter pleinement le capteur et d'aller très très loin. Pour moi, enfin, j'ai ouvert un petit peu le débat ce matin sur le groupe des geeks lumineux. Je vous invite du reste à nous rejoindre sur Facebook. Il y a un groupe privé qui s'appelle les geeks lumineux, où on échange beaucoup des idées, des trucs, des astuces, des comment on fait, il y a de l'entraide et tout ça, c'est assez chouette. Dans la bonne humeur et sans trop de trolls, on a cette chance pour l'instant. Info ou un talk sur le même capteur, je sais pas pour l'instant. Au niveau de la durée de vie des batteries, j'en ai pas parlé pour l'instant parce que j'ai eu peur. Je tire pas de conclusion, j'aimerais le tester avec des vraies batteries Canon qui ont des batteries sérieuses et pas celle qui est fournie avec. Ou même il y a des batteries adaptables en LPE6 qui sont assez costauds. Mais là, la jauge elle bouge pas, puis d'un seul coup ça devient rouge et après tu peux plus tourner. En l'espace de 30 secondes, t'as plus de. Voilà, la jauge est mal calibrée. C'est pas terrible de ce côté-là non plus. Il me semble avoir lu que Grant dit à tout le monde, mais non, ce n'est pas le même capteur.